人セフィロトの拘束を解くわ。みんな頼んだわよ。Et salut à tous, c'est temps que je vous retrouve pour le 57e épisode des Donjons et des Filles FF14. On se retrouve aujourd'hui pour une unité de contention SAP7. C'est un défi, c'est une donc de Sephiroth. Je préfère vous le dire, c'est Sephiroth, ce sera plus simple. Défi qui n'est pas forcément bien, enfin moi personnellement j'aime pas forcément. J'ai pas dit bonjour, je dis bonjour. Voilà, je suis content. Et on est parti sur le défi. Alors, Sephiroth se déroule en deux phases, je tiens à vous le dire. Donc là on est à la partie brutale. Donc nous sommes niveau 60, nous sommes. Non, je crois qu'il y a 2,10, mais non, c'est bon. Donc là, le cher, s'il vous plaît, paquez-vous tous, même les mages noirs. Voilà, qui ne s'est pas paqué, parce que c'est un connard. Voilà, j'ai dit. Donc s'il vous plaît, paquez-vous tous sur les chairs, c'est une truc qu'on a depuis le début, depuis les premiers donjons. Donc quand ça arrive niveau 70, ne soyez pas surpris, c'est toujours la même méthode, ça n'a pas changé. Ouais, c'est petit tic encore, parce que j'en ai marre encore à l'heure actuelle. Qu'au niveau 70, on sait pas. Ensuite, cette AOE que vous verrez aussi pour d'autres... Non, c'est pas la même. Voilà, celle-ci, vous la séparez, vous la mettez pas au milieu. Là, je rappelle, c'est le brutal. En gros, le brutal, j'ai pas à dire grand chose. Il y avait un cleave, enfin, on se faisait bump, complètement oublié, c'est zappé, je ne connais plus. Bref. Et là, on passe donc en P2. La P2, c'est que des ads. On fait d'abord le gros, si je dis pas, donc le shock ram. Et derrière, on fera les plus petits. Donc, en tant que heal, vous avez juste à healer le groupe à se maintenir tout le monde en vie. Donc, Knight, je vois qu'il prend un peu cher. Mais retenez bien cette phase là où il faut d'abord tuer alors, le gros et après les petits, ou c'est l'inverse, les petits le gros. Parce qu'en extrême c'est la même chose, les groupes sont différents, enfin c'est pareil, c'est un gros ou trois petits. Vous allez voir que c'est... Enfin, je prends les petits d'abord, je sais plus c'est quoi, c'est les gros ou les petits d'abord. Donc là pour soi c'est Sephiroth, il est derrière, mais c'est tout, il fait rien d'autre. Et donc là... Sephiroth va un tout petit peu changer. Il va, comme qui dirait, grandir. Il est un poil plus grand. Et donc là, passage en P2. Donc là, attention, vous pouvez tomber de la zone. Tout le monde se pack d'abord au milieu. Enfin, ici, devant. Devant les AOE. C'est pas pour rien, ces AOE à chaque fois vont vous repousser. À chaque fois vous vous mettez devant pour éviter de tomber. Donc là le mage noir il va clairement tomber. Il fait pas attention, voilà. Ensuite on sépare ces deux AOE, un à droite, un à gauche, et on évite le groupe. Voilà, le groupe reste au milieu. Donc là c'est des petites choses à savoir, c'est pareil, c'est des choses qu'on va revoir. Vraiment, ça s'avance un peu, vous verrez de toute façon. Et ça, je vois où il met la route. Donc là, on se fait pousser, on tape les tempêtes, enfin la tempête démo et les binas après. Alors, cette tempête, vous allez voir qu'elle va être assez intéressante pour la suite. Donc là, on esquive les heureux. Donc là, en brutal, vous les voyez en extrême, vous ne voyez pas là-haut. Donc, faites bien attention à ça. Pareil, on resépare encore les deux heureux. Un à droite, un à gauche, le groupe au milieu pour éviter toutes les attaques. Donc le vent, enfin attention, voilà, là on nous dit de se paquer sur le vent, attention parce qu'on se fait taper. Tout le monde ici, on se fait expulser, il passe sa main, on prend pas les dégâts et on retourne. Ça vous avez la même chose en extrême, normalement on aura passé à ce moment. Donc là, il focus, enfin, il va taper tout le monde, éviter normalement d'être paqué.
Là, on pack normalement c'est les deux tanks qui vont dessus. Là, on est en normal, donc en brutal, donc on s'en fout un petit peu, je dirais. Les tanks dans les tours, toujours. Que ce soit en normal ou en extrême. Et là, pareil, on se remet encore une fois devant. Donc là, on peut assez normalement dans la haut. Non, alors on peut pas. Vous avez un loot. De toute façon, c'est sûr, tu vas mourir, tu vas récupérer 5%. Encore une AO, donc la deuxième, on peut rester dedans, hein. Faut vraiment se paquer pour faire qu'un groupe et faire qu'une seule et même AO. Donc là, encore une fois, on met les tanks dans les tours, c'est mieux. Ah oui, tu me restes à ce moment-là. Et donc il meurt. Voilà. Pour Sephiroth, Brutal, on va nourrir le heal. Alice Reynolds. Ok. Pourquoi pas. Donc voilà pour cette phase. Je vais juste papoter un tout petit peu avant de passer à l'extrême. Vous avez vu, à un moment, il y avait une boule verte, une boule jaune, ou l'inverse. Hein. Regardez bien, parce que sur l'extrême, ça va être un tout petit peu différent. On aura ici un buff ou un debuff d'une couleur et il faudra justement y lancer cette couleur. C'est très important parce que après les jaunes devront aller. Alors attends que je dise pas de bêtises. Les jaunes ils devront aller à l'extérieur et les verts devront être au cac. Vous allez comprendre pourquoi, parce que les AO vertes qu'on a vu sur la P1 vont être un petit peu différentes et vont revenir en P2 dans cette zone là. Donc on se retrouve tout de suite sur l'extrême, comme d'habitude. A tout de suite. Re, dans le coup, on va pas faire l'extrême. Je suis désolé, parce que franchement, c'est un truc que je veux quand même faire en vidéo à chaque fois. Ça fait déjà quasiment une heure que j'attends en PF. Donc c'est quand même pour dire. J'ai eu deux personnes. Les deux personnes se sont barrées les uns après les autres. Donc en fait, voilà, on n'a jamais été plus de deux dans le groupe. Faut savoir que Sephiroth en extrême, que ce soit en PF ou non, va être très dur à taguer. Je vous montre juste si là par exemple je tag sur Sephiroth. J'enlève ça, je suis sur SAP7 extrême, j'ai participé. On me dit que j'en ai pour 30 minutes ou plus. Ah oui, mais attendez, j'étais DPS. Très bien. Je passe en heal. 30 minutes ou plus. Ok. Je passe en tank. 30 minutes ou plus. C'est un défi qui est très long, qui est, enfin pas très long, mais disons qui est très chiant à taguer. Que vous soyez DPS, heal ou tank. Si vous faites un PF, ce sera la même chose. J'ai eu, alors je sais pas si là il y en a, mais je crois pas. S1PF, S1P7, là il y en a un. C'est un normal. Même le normal, ils ont tagué à peu près en même temps que moi, donc ils devaient avoir la même chose. Ils devaient être en train d'attendre aussi. Enfin, ils ont tagué après moi, enfin ils ont fait le PF après moi. Et ils ont eu 3 personnes. Ils sont que 3 dans le PF, c'est que dalle. Donc autant vous dire que même en normal, il va être très chiant à taguer. Si vous êtes en CL, faites-le en CL, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, vous n'aurez pas la version extrême de mon point de vue. Comme d'habitude, vous aurez dans la description le point de vue de Fonou. Donc, allez le voir. C'est une strat quand même à connaître. Et PF ou non, enfin, que vous faites en synchro, soit en PF, ou faire en désynchro, la version extrême est fortement conseillée à 8. Parce qu'à un moment, donc en P2, vous avez des couleurs qui correspondent à soit au cac, soit à l'extérieur. Donc vert ou jaune, si vous êtes à moins, on peut faire 3 et 4, donc il y aura forcément un qui va mourir. Si vous avez la 6, il peut faire 4 et 2. À moins que ça ait été changé depuis la dernière fois que moi je l'avais fait en désynchro en moins 8, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description la vidéo de Fonou quand ils l'ont tombé. Je crois que je n'étais pas dedans. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve ce week-end pour aller faire l'île de Kravkaren brutale. Et ce sera en tank, voilà. Donc, salut à tous et bonne journée, soirée, après-midi, matinée. Bref, à la prochaine.